Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Je l'ai pas déjà fait celle-là? Yo tout le monde, c'est Tiob. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Foundation, notre petit village médiéval. Dans lequel il pleut. Dans lequel il fait pas beau. Mais il fait beau vivre. Non, il fait bon. Beau, bon, bon vivre. J'ai un doute. J'ai un doute d'un coup. Je ne sais pas. Pourquoi j'ai pas de bière au comptoir de service? J'ai marre des taverniers. Faudrait-il pas un roturier? Ah oui, c'était ça, oui. D'ailleurs, nouveaux arrivants. Oh, je crois que j'étais en train de recruter à balle parce qu'il me fallait des roturiers à balle justement. Alors il m'en faut un, deux, trois. Trois roturiers. La vache, frères et sœurs, sept cuisiniers. Eh ben, fit coco. Un, deux, trois. Oh, j'ai eu une énorme dépense d'un coup là. J'avais ce qu'il fallait largement. Et j'ai pu. Ok, ils rentrent de mission, c'est très bien. On va les envoyer. Non, c'est là. Très facile. Oh, trop facile. Ah oui, d'accord, ouais. Un truc chelou, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4. Allez, allez, allez-y les gars. Qu'est-ce qu'elle est belle notre église. J'aime bien les tuiles. C'est coloré et tout. Moi j'aime bien le vitrail. Il y a de la boule quand même. Voyons. Et dans les bâtiments. Roturier, roturier. Et roturier, voilà. Comment ça, non? Ah, ok. Je me suis trompé, Pierre. Ce sont des choses qui arrivent. Responsable de réfectoire, frères et sœurs. Il en faut des frères et sœurs. Ok. Putain, c'est bien ça. Alors, frères et sœurs, comment je... Construction de cloître. Et t'es pas fini? Ah, les croix. C'est vrai que j'ai fait des croix. Les zapper. Alors. Oui, je voulais promouvoir des frères et sœurs. Travail. Apprenti Domingo. Hey Domingo, t'es promu mon frère, toi. J'ai promu deux frères. Parce qu'il y avait que ça. Deux dispo. Donc, on a les cuisiniers et on a le responsable de réfectoire, c'est bien. Je sais pas du tout où est-ce que ça travaille, ça par contre. Je me dirais peut-être dans les réfectoires. Je vous dirais c'est très possible, c'est bien possible. Mais alors, pas plus d'infos. Hein. Voyons voir, si on jetait un œil au niveau de l'embellissement. Il y a de la place, il y a de quoi faire ici, pareil, il y a des maisons. Je crois que c'est bon là. Ah, des jours meilleurs arrivent. On va essayer de construire l'atelier de joaillerie. Ça peut aider. Tiens, ici d'ailleurs, on va stocker. Des bijoux. Jewel. J'avais pas le mot en français, c'est terrible. La seule fois où je suis arrivé à ce point-là, le jeu il était encore en anglais.
Bon, maintenant, je saurais que G-Will, G-Will, voilà, c'est bijou. Merci, merci, merci les jeux de m'apprendre un peu l'anglais. Voyons. Le bois, presque, presque. Non, sérieux. Non, mais sérieux, vous allez pas laisser un arbre, quoi, les mecs. On va laisser cet arbre-là ici, ça va être le... C'est quoi? Ça va être le survivant. Ken, le survivant des enfers, quoi. On l'appelait Ken, cet arbre. Je vais aussi supprimer. Là, je vais avoir deux cabanes de bûcherons à retirer. Deux camps de bûcherons, pardon. Toutes mes excuses. Celui-là, celui-là. J'en ai pas un autre au centre du village, là. Je crois que j'en avais un, mais non, j'ai dû le retirer. Ok. Ah, j'en ai un ici. Ok, bah j'en fous de trois, tu sais quoi. Voyons. Au niveau des zones. Ah! Ah oui! Elles vont être moyennement utiles, quoi. Hop, zone de chasse, tout là. Oui, j'avais peut-être oublié de faire des zones de chasse, quoi. Et je suis à peu près sûr que c'est... Est-ce que j'ai oublié là-bas? Non, je n'ai pas oublié. C'est un miracle. Il n'y a que moi pour faire ça. Bon, un peu de sérieux. Je vais faire une zone de reboisement. Alors, non, faut pas déconner. On va faire une zone de reboisement à partir de là. Et... Je pense que déjà, c'est pas mal. Donc, comme prévu, on va faire deux campements de bûcherons supplémentaires. Deux camps de bûcherons, je peux y arriver. Et un camp forestier ici. Voilà. Que veux-tu? Oh la vache! Oh, j'ai pas beaucoup d'herbe. J'ai pas assez de production d'herbe. Je vais devoir l'augmenter la production d'herbe parce que... J'ai tout ça en jardin monastique, c'est tout. 1, 2, 3, 4, 5, 5 bâtiments, j'ai que... Non. Ah si, ah là, ah, mais sérieux là? Déçu. 8, 8, 16, 1, 2, 3, 4, 5, 16 divisé par 5, ça fait même pas un nombre. Bah. 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16. Ah purée, c'est ça. Je suis limité en fait par le. Ok. Donc, jardin monastique, on va. Ajouter AKB. Bon, bah on va rajouter des bacs à baies. Non, des bacs à herbe plutôt. Peut-être pouvoir les resserrer un peu plus.
Comme ça, au moins, on aura de votre territoire. Ok. Bac à B, on va pouvoir en rajouter quelques-uns, ou, voilà, juste histoire de dire. Allez. Ah oui, il y a une statue là, on va peut-être pas la retirer, la statue, les pauvres quand même. Hop, on ça ici et un comme ça ici, ça devrait être bon là. Là, on va embaucher les gars. Alors, on va pouvoir détruire les campements de bûcherons qui sont là. Ça, c'est en cours de construction. Et eux, ils vont recruter automatiquement, normalement, les bûcherons. Qui chercheront un emploi. Alors, peuplier et pain, moi je retiens. J'ai un forestier déjà? Ah ok, d'accord, j'ai un forestier en attente d'emploi. Ouais, ça se fait. C'est où? C'est là. Ils sont rentrés de mission, on va les renvoyer. Difficile. 1, 2, 3, 4. 5, 6, il en faut 6 pour les difficiles, ok. Allez-y les gars, faites-vous plaisir. Tellement ça commence à replanter un peu là. Ouais bon, ils vont peut-être bûcher un peu loin sur le début là, vu qu'il n'y a pas encore d'arbre. Même peut-être, ouais. Ouais, ça va venir, ça va venir. Au niveau du pain... Comment qu'on est? On a du blé à gogo, hein, on n'a pas assez de farine, donc on va rajouter un moulin. On va rajouter un moulin. Oui, si, c'est très bien. Là, je vais même pouvoir... je vais améliorer la zone résidentielle et je vais faire en sorte qu'elle vienne jusque là. Là, avec l'embellissement que donne l'église, ça devrait être bon. Ah, elle donne pas tant que ça, je pensais qu'elle donnerait plus. Tu me diras, je crois que j'ai pas débloqué tout ce qu'il faut. Voie commune. Ah, il y a ça. Amélioration des marchandises courantes. Des verrous gras tour. C'est quoi ça? Ouais, non, ça, ok. Les pans, les machins. Wouah, fontaine abbatiale murale, 9 d'embellissement. Même la statue de mouton, elle ne donne pas autant. Bon, j'ai une tour. Aucune idée d'où est-ce que... Strictement aucune idée de... Peut-être devant l'abbaye? Tu me diras, la logique voudrait que... Établissement vinicole. Ah. Non, bah ça m'a débloqué tour, mais je sais pas, aucune idée. Peut-être ça là. Non.
Bah pourquoi pas. Donc ça avance ici. 17 sculptures, bien, 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 bien. Ah, voilà, la bière, elle est... La bière est vendue. Très bien. Voilà, par contre, avec 3 commandes de bûcherons, peut-être que ça pourrait suffire. Un camp forestier, quoi. Falloir voir tout ça. Et en reboisement, j'ai une... Ouais, ouais c'est limite en plus, hein. C'est petit comme zone, hein. Allez. Hop, on va débloquer le dernier. Voilà. On va regarder pour le reste. La noblesse. Ils nous détestent. Ok, prérequis. Ouais, je suis bien. Église abbatiale. Oh, croix dorée, croix en marbre, bénitier, ciel en marbre, bénitier, en marbre, hein, statue de moine. Ça paraît, ça doit. Je suppose que ça fait des belles décos, ça. Ah ouais, maintenant ma question c'est. Est-ce qu'il y a une belle différence? 9 et 5. Ah ouais! Je peux pas remplacer, hein. J'ai l'impression que ça rajoute plus grand chose. Hein. Ça a quand même de la goule. Hein. Ça fait quand même ça bien. Oui, non, c'est normal. Le bâtiment, c'est quand même de la bonne arnaque, ce que je fais. Voyons voir, est-ce que les impôts sont pas prélevés ici non plus, hein. Bah, vous savez ce que je vais faire. Hein. Un manoir ici, là en plein milieu, parfait. Sélectionner, bureau des impôts. Allez, on va faire un petit bureau sympa cette fois, faut pas déconner. Regardez ça, je vais faire ça bien. Avec une petite tour ronde juste à côté. On va faire une petite porte. Une belle porte même. Waouh, regardez-moi cette belle porte. On va faire une belle porte ici même. Pourquoi ça laissera plus de place à la construction du... L'embellissement. C'est tout. Premier degré, hein. Premier degré, regardez, c'est juste pour ça. Hein. Ça coûte combien? Ah, oh, ça... Oh, ça picote le porte-monnaie là! 450 la fontaine abbatiale murale. Oh, fin du mois. Bah, on va le faire en plusieurs fois, je pense. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Une bonne heure, oui, c'est bon. 450 la fontaine. Ah. C'est pas du bien. Allez, on renvoie tout le monde. Bah non, pas toi en fait. Difficile. Ah, je vais pas avoir cette personne. Ah, le moulin. Très important le moulin. Bienvenue à vous les meuniers. Que veux-tu, Jojo? Accueillir des moines errants. Bon, normalement, j'ai ce qu'il faut avec la nouvelle hospice. Hein. Faut pas déconner. Il me faut du marbre. Ah ouais, c'est en marbre les fontaines maintenant. Ah ouais, ça déconne plus. Ah bah. Bon bah on va changer au niveau de. Tiens, d'ailleurs je regarde si j'ai rien.
Niveau des ventes. Parce que je sais que je vends du marbre. Je vais en vendre plus de 200 maintenant. Ah, 27 d'embellissement. C'est pas mal, hein. Pour 3 fontaines, ça vaut le coup. C'est pas une ville comme ça, la spécialité c'est les fontaines ou un truc comme ça. Ah, Rome? Non, c'est pas Rome. Venise? Non. Oh, j'en sais rien. Ok, je sais qu'il y avait beaucoup de fontaines en Rome antique avec grâce aux aqueducs et trucs comme ça, mais. Je sais pas si c'est ça. C'est ce dont à quoi je pense. C'est ce à quoi je pense. Et elle a de la goule quand même. Regardez-moi ça. Il manquait que statues. Ouais, il manque les statues du haut, les statues des oiseaux. Fera du bruit en plus après. Ch'ding, ch'ding. Ok. Ça, c'est. Toujours pas ça, on fait pas assez d'échanges avec eux. C'est pas grave. Ça a l'air d'être bon là avec ce que j'ai planté, non? Principal c'est d'avoir quelques arbres grands. Lui il grandit, ça se voit, lui je sais pas. Ah, j'ai l'impression qu'il grandit encore un peu. Hein. Par contre, lui, ça se voit, lui, ça se voit, il grandit. Oh, bah, il va être coupé dans sa fougue de la jeunesse. Allez. Arrêtons de dire des bêtises. Hop, récompense très facile. Hop, récompense difficile. Voilà. Ils sont toujours pas. Manque de ressources, manque de pierres. Bon, déconne pas, de la pierre, j'en ai 800! Ah oui! Ah, faut peut-être qu'ils aillent chercher les outils assez loin. Je pense qu'il y a un délire comme ça. Vu que les outils sont à l'autre bout du village. Et le chercher assez loin. Visiteur ravi, c'est bien. Oh la vache, le bonheur. Alors j'en ai quand même quelques-uns qui ont des problèmes de nourriture. Je veux voir qui, parce que. Alors si c'est le cueilleur qui n'arrive pas à trouver de bouffe. Encore ici. C'est dingue. J'ai quand même 6 cabanes de récolte. Là, j'ai de la baie. Ils sont pas foutus de perdre plein de baies, quoi. Bon, en fait, tu me diras, ça part très vite. Je vais quand même pas être obligé de doubler les productions de baies. Même le pain et tout, c'est normal. La baie partirait moins vite s'il y avait le reste qui était. Je comprends pas. Ouais, je sais pas honnêtement. La baie, c'est nous, le poisson. Le poisson, j'en ai aucun. J'ai zéro poisson. Zéro. Il y en a 38 ici par exemple, je comprends. Même là j'ai du poisson. C'est terrible. Le poisson il n'arrive pas jusque là. J'ai pas envie de refaire tout de suite un troisième village, enfin un quatrième village. Un quatrième quartier plutôt.
faudrait voir pour baisser les taxes aussi. Le site minier, c'est très bien. On va voir en baissant les taxes si j'arrive quand même à avoir du bénéfice ou si je suis pas bien. Ah mais c'est con, ça sert à quoi de faire des bureaux d'impôts si on taxe plus? Non, c'est pas grave. On va rester sur le premier palier, sinon le bureau des impôts il servira. Les trois bureaux d'impôts ils serviront à rien. Deux citoyens, et ouais. Pas d'accès à service. Ah oui. En effet, je n'ai. Mais la taille du machin, les gars, quoi. La taille du monastère. C'est même plus un monastère, là. C'est une ville. Et c'est presque le Vatican, le machin. Où est-ce qu'ils vont prier dans les chapelles? Dans les chapelles. Je vais faire une autre chapelle là-bas. Capacité 30. Oh! C'est bon. Et si j'en faisais deux pour assurer le coup? Hors du territoire. Et si j'en faisais qu'une? Ouais, ils ont besoin d'un clocher. Pour faire un magnifique clocher là. Ah, construction de jardin monastique terminée. Collecteur d'impôts? Deux collecteurs d'impôts? Ah ouais. Pourquoi pas? Alors, les sans emploi, toi et toi. Félicitations, vous passez aventurier. Hop, et les deux, ici. On aurait bien collecté les impôts. Si tu veux, j'ai pas assez de stock. Hop. Bienvenue à vous les quatre nouveaux. Voulez-vous être moines et nonnes? Ah, j'ai eu que des femmes, donc. Ah voilà, ça c'est intéressant. Soit il me faudra des frères et des sœurs pour préparer de la nourriture, donc. Ils ont bouffé des herbes. Je savais pas qu'ils étaient. Végétariens. Tiens d'ailleurs. Repas. Et j'en ai aucun de consommer des repas. Il faut que je fasse un répertoire spécial.
Rien de réfertoire, non? Il est consommé par qui alors? Peut-être que par les frères et sœurs, non? Ouais, repas monastique. Et si par exemple je vais voir un apprenti? Non, repas monastique aussi. Ah, un consommé, ok. C'est juste qu'il y en a moins qui mange. Un ménestrel s'approche de votre village. Un chantier. Je m'appelle Euteuse. Ok. Divertissement, moins 1. Ah bon? C'est le ménestrel qui vous fait cet effet-là, les gars? Non, bah c'est pas ouf, hein. Repas de taverne plus 1. Ah ouais, ça augmente, ça. J'en suis où? Ah mais il était fait. Hebdo. Tu viens, allez. Créer une mélodie, vous avez flemme. Hein. Bon. Bon, en tout cas, on a réussi à faire notre... Comment ça s'appelle? Notre chef-d'œuvre. La mélodie de la fontaine automatique. La fontaine automatique. On a réussi à faire la fontaine automatique. Elle est belle, hein, mine de rien. Avec les petits oiseaux sur le haut. J'aime bien. J'aime plutôt bien même. Voyons. Faudra que je me concentre là-dessus aussi. J'ai quelques petites choses à débloquer. Oh bah ils ont fait. Ouais, ils ont fait des bonnes emplettes, hein. Allez, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, sur cette magnifique fontaine. Qui ne crache pas d'eau, mais pourquoi pas? Ah si, sur le bas peut-être. On entend qu'il y a de l'eau, mais on la voit pas. Moi j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Cette fois ce sera la mise en travail de nos citoyens. Des bâtiments qui demandent des citoyens. Par exemple la tonnellerie, etc. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt, c'était Tiob. Ciao!